Voici le menu de la seconde APR. Entrée quiche Lorraine, plat principal gratin dauphinois, cuisse de poulet avec sauce champignon, dessert chou avec sa sauce chocolat. Nous commençons par éplucher les oignons et nettoyer, puis préparer les pommes de terre. On met les pommes de terre à cuire, le poulet au four. On pèse les ingrédients pour préparer la pâte grisée de la quiche. On pétrit la pâte. Un autre groupe s'occupe d'émincer les oignons, ail, oignons, pays. La préparation de la crème pâtissière afin de garnir les choux au dessert. Comme des pots. Étalage de la pâte cuisée avec le rouleau. On émince l'ail. Le poulet dort au four. Le poulet est cuit, on prépare sa sauce. On va mettre ici. On prend la grille et tu vas faire glisser sur ça. Fais attention, Marvin. Est-ce que c'est bien doré? On récupère la quiche qui est bien dorée au four. Maintenant, on s'occupe de la sauce au chocolat.
tu devrais avoir une cuillère en spatule. Oui. Fais fondre le chocolat avec une noix de beurre. Il faut bien mélanger à la spatule. Le mélange doit être homogène. Les choux sont découpés pour être garnis à la crème pâtissière que nous avons préparée. C'est un travail délicat. La cuisson du poulet est parfaite. Il ne faut pas que ça colle. Les choux sont couverts avec un filet de chocolat. C'est ce que je vais faire. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je vois une grille que la dame dit. Comme ça, on va éviter de salir. On va éviter de salir les assiettes. On dresse les tables et les couverts avant l'arrivée du jury et des clients. Bien en face. C'est la même couleur. Oh là là, le stress! Chef au restaurant Le Coup de Pouce sur le Marigot. Donc en fait, une journée avec les jeunes au niveau de la dégustation, ou les mets qu'ils ont préparés. Donc ça a été une très très bonne journée. Et j'ai vu les produits qu'ils ont sortis étaient quand même corrects, avec la saveur, du goût. Et aussi, bon, il y a toujours des petites choses à améliorer. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait.
D'accord. Les améliorations, ce sera à quel niveau, à peu près? Donc, affiner au niveau de la présentation, mm-hmm. et aussi accentuer sur les saveurs. Okay. Et donc, du coup, au niveau de la température, les températures étaient quand même correctes. Okay. Et j'ai quand même un bon accueil, okay. à l'arrivée. Et après, ce sera dans la continuité du service qu'il faudra revoir un petit peu cette organisation. Donc, ça a été un concours interclasse. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, surtout pour motiver les élèves. Et puis les encourager surtout, parce que la restauration quand même, c'est un métier très ingrat, très délicat, et on a besoin de le valoriser de jour en jour. Voilà. Okay. Merci beaucoup. C'est moi. Bonjour, je me présente Magdalen Moïse, professeur en PLP de technologie. Je suis aussi coordonnateur de la section bioma. J'avoue que l'idée des concours, c'était une superbe idée qui permettait d'une part de mettre les élèves en situation et d'autre part voir les compétences des différentes sections, APR et charcuterie traiteur. J'avoue que aujourd'hui, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'accueil, l'impression d'être dans un restaurant, d'être guidé vers les menus et aussi savourer les bons plats réalisés par les élèves. La présentation, l'écoute et aussi le service à table m'ont paru très présents. Les remontées que j'ai eues par rapport aux saveurs des plats, j'avoue que j'ai trouvé que c'était des plats typiques qui... On se croirait vraiment à la maison du fait que les saveurs étaient là. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le regard des élèves. Le regard change, c'est-à-dire qu'ils ont un regard de professionnel. De par leur mission, de par les actions qu'ils ont menées, on n'était pas vers un face-à-face élève-professeur, c'était un face-à-face professionnel-client. En tout cas, j'ai trouvé que c'est un beau projet, excusez-moi, et surtout un projet à reconduire. Merci.